Bonsoir tout le monde. J'ai envie de me tabasser les boules. Ça commence bien, vous voyez. Merde, j'avais oublié. J'avais complètement désastreux, vraiment. Il faut arrêter. C'est la magie de ce soir, il y aura de l'autotune. Non, pas du tout. On s'est tous dit, non, il le fait exprès. Non, peut-être, non. Pas du tout, mais alors pas du tout. Oui, non, bah oui, j'ai parié que tu le faisais pas exprès. Très con. C'est trop Jules. Très, très con. Et moi, je veux casser le professionnalisme, il est mort. Ah bah, sympa, ça va. Genre il y a eu du professionnalisme. Il y en a jamais eu. Hein. Vous êtes là pour ça de toute façon. Alors, dans un premier temps, vous avez été donc alpagué par l'Empire et là vous êtes posé dans le hangar où on vous a détaché le tank qu'on a mis à côté. Votre vaisseau, donc l'YT-1050, a été posé. Maintenant, vous avez les Stormtroopers qui commencent à approcher pour aller faire l'inspection. Vous en avez une dizaine qui commencent à se positionner devant le vaisseau. Et accompagné de deux officiers impériaux, pour le coup, qui sont habillés en blanc. Oh, vite, planque des trucs. Moi, j'ai déjà commencé à planquer des trucs. J'ai dû planquer déjà toutes mes armes illicites, donc littéralement toutes mes armes, parce que je crois qu'il n'y en a aucune qui est légale sur un croiseur impérial. Alors, avant de faire quelconque action, messieurs, ce soir, nous allons de nouveau relancer les dés du côté obscur et du côté lumineux. Alors cette fois, tu nous dis quand on peut lancer avant de mettre le truc, parce qu'à chaque fois, on se fait carotte. Vous pouvez le faire. T'es sûr? Ouais, non. Non, il me fume. Voilà. Attendez. C'est bon, on peut ou on peut pas? Alors, non, on peut pas. Non, il y a un Rider fond du côté obscur pour l'instant, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, on peut cliquer? Là, vous pouvez cliquer. Donc. Allez! Putain, mais qui c'est qui nous TK, là? Voilà, du bon obscur, ça qu'on veut. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Mais bien sûr que si, c'est ce qu'on veut. Mais non, c'est pour que l'ennemi nous mette des bâtons dans les trous. Mais... on n'a pas envie. Waouh. Et il ne manque que toi, Zerk, pour le coup. Non, j'ai fait deux. Les bons obscurs. Ah non, c'est Sabam qui manque. C'est Opium qui manque. Non, c'est toi aussi. T'as fait le jeu en privé. Ça n'a pas marché. Ouais, t'as pas le droit. Nous, on n'a pas le droit de porter les jeux. On fait des jeux en privé. Ça commence à faire des jeux en privé, c'est bien. Alors, il me dit que j'ai déjà relancé mon point de destin, quoi, donc je ne peux pas... T'as fait quoi? Ah, j'ai fait deux lumineux? Non, j'ai fait un obscur. Okay. Là-dessus, là. Moi, je dis on prend les deux pour au cas où. On prend deux lumineux et on te donne un obscur. Mais attends. Vous savez quoi? On va faire 2-2, comme ça, c'est bien. Sinon, on donne nos deux points lumineux au MJ, on n'a pas besoin. Alors, on a un croiseur.
pour rappel, pour vous, viewers, ce soir, et puis aussi pour les joueurs, c'est une petite piqûre à rappel qui est toujours agréable. Ces points du côté lumineux et côté obscur sont toujours là pour changer la donne. Si les joueurs utilisent des points du côté lumineux, ils peuvent relancer des dés, faire des actions supplémentaires, et aussi tourner tout simplement le scénario à leur avantage. Mais je récupère, moi, un coup de poing du côté obscur. A contrario, je peux faire la même chose pour les faire chier, mais ils regagnent un point du côté lumineux. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant et qui permet vraiment de changer la partie. Alors, pour ce soir, donc, nous sommes à un équilibre dans la force, 2 et 2, ce qui fait que bah, faudra bien les utiliser en fonction de ce que vous allez faire. Alors, normalement, c'est 2 et 3. Oui, mais là, je suis gentil. Parce que ça ne marchait pas. Donc j'ai mis 2 et 2. Ah non, voilà. Mets-toi 3 points. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Au pire, j'en remettrai un, t'inquiète. Donc, non, vous en faites. Mais de toute façon, on va t'en donner, hein. On risque de devoir utiliser des jets. Il y a des chances, effectivement, que ce soir vous me donniez des points du côté obscur. Alors, vous êtes donc en train de vous précipiter un peu dans le vaisseau, etc., à essayer de voir ce que vous allez pouvoir planquer. Sabam est en train de planquer l'épice, qui était vraiment le truc le plus important selon lui. Peut-être les. Des sabres laser aussi, non? Ouais, oui, oui, ça, on les a cachés dès le début, ça. Les sabres laser, le problème. Les sabres laser, on les a balancés par la fenêtre avant d'arriver. Vous planquez tous ça, les non, sabres laser nous. Tous? Bah, juste le mien est sur moi, comme d'habitude. Toi, oui. Jinklas, tous tes sabres laser, tu les mets dans les soutes. Ah oui, oui, ah oui, mais j'ai un méga sac, je les planque dans les soutes. Ah ouais, ouais, complet, ouais. Ah oui, non, moi, je vais me faire mon découpeur laser, hein. Je veux pas qu'il me les carotte. Hein. Jia, est-ce que toi, ton sabre laser, tu le planques? Alors, s'ils trouvent des sabres laser, ils vont pas juste te carotte les sabres laser, t'inquiète. Ah oui, oui, non, ils vont nous buter. Ils vont te carotte aussi. Carotte. Hein. Ils vont te carotte aussi. Bah, ça me va, moi, je bosse avec eux, de toute façon. Ouais, non, là, non, ils vont carotte notre vie. Voilà, tu vas pas vraiment bosser avec eux, là. Enfin, si, tu bosseras avec eux. D'accord, ok. D'accord, est-ce que tu aimes pousser des cailloux dans des carrières? Parce que c'est ça, le reste de ta vie. Tu vas devenir un Dalton, hein, mon vieux, hein, cherche pas. Hein. Les mines d'épices sur Kessel. Ouais, ouais, et tu vis pas très longtemps. Alors, donc, Jia, toi, tu planques le tien aussi. On t'entend plus. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Hugo, ou est-ce que je peux le cacher dans un vaisseau? Je crois que mon Discord... Ah, il y a eu une coupure. Discord, parce que c'est pas le premier. Voilà. Alors, du coup, tu disais, Jia, excuse-moi. Alors, je disais, est-ce que dans mes parties cyborg, j'ai des emplacements pour cacher des objets ou est-ce que je le cache dans un truc? Alors, tu as des emplacements, effectivement. Après, planquer un sabre laser, il y a un risque quand même. Ok. Donc, tu peux dans zone des cages du vaisseau. Dans les faits, tu peux le faire. J'autoriserais à que tu puisses le faire. Ouais, mais il est majoritairement en bois, donc ça va être compliqué si jamais on regarde. Je peux pas faire passer ça pour un piston ou une connerie comme ça. Moi, j'ai un piston en bois, vous regardez bien. C'est mon god, ok? Je le cache là pour être tranquille. En vrai, ça passe. Mais ouais, du coup, je vais le cacher dans mon bras. Faut pas te tromper de sens, hein. Ouais, il faut pas avoir peur de bouger. Heureusement, j'en ai vu plusieurs fonctionner. Je le mets dans le bon sens. Ouais, l'épilation. Au pire, ça abîme que du métal. Tu le caches dans ton bras. Rai, toi, tu n'as rien de compromettant, mis à part... Moi, je n'ai rien de compromettant, what the fuck. Mis à part tes potes. Mis à part tes potes, oui, c'est... En vrai, oui, tes potes sont très compromettants, on va pas se mentir. Ok, comment on cache Sabam parce qu'il est totalement compromettant? Alors, justement, par rapport à ça, au niveau des bases de données de l'Empire, moi je risque quand même d'être... Parce qu'il y a un contrôle un peu poussé sur mon identité, je suis cuit, on est d'accord. Oui. Et les couilles. C'est pour ça que je disais ça. Ouais, il y a probablement de la place dans une des caches pour moi, hein. Ah oui, une oui. Une classe. Oui. Toi, ça a défiguré Sabam. Mais non, je vais pas faire ça. Ah, la violence. Mais non, mais comme ça, on le reconnaît pas. Vas-y, tire-lui dans le visage. Tire-lui dans le visage. Dis qu'on a trouvé un Jedi, on le ramène. Mais putain, je crois qu'il est mort. Ah. Merde. Alors oui, mais il est plus reconnaissable. Voilà, il ne posera plus de problème. Non, mais oui, par contre, en vrai, du coup, ça va me... Ouais, mais alors, le problème, c'est que si tu te planques, ils vont encore plus pousser quelque chose s'ils te trouvent. Ouais. Mais t'es aussi le meilleur en furtivité. Ouais. Y a pas moyen de le mettre dans un conduit d'aération? Genre, tu sais, les gros tuyaux. Il y a les sous-conduites dans les vaisseaux. À chaque fois dans Star Wars, ils se cachent dans les sous-conduites. Genre, on le plug dans le réacteur, sinon.
En vrai, non. En vrai, tous les deux pointez un truc sauf une classe qui veut faire cramer des gens. Non, non, on ne met personne dans le réacteur parce que si on démarre, il est mort. Alors non, tu seras absolument pas. Il suffit que je parte avec la clé pour pas le démarrer. Si, tu peux te faire. Tu seras absolument pas confortable, mais ça peut potentiellement te planquer. Effectivement, ouais. Tu peux être planqué dans les caches de contrebande, donc comme l'a dit Zerk pour le coup, qui sont planqués bah, dans certaines conduites, etc. Il n'y a pas beaucoup de place, mais tu n'es qu'un humain. Après tout, ça passe. Hein, t'es pas un Wookiee. Hein, oh, le shame, quoi. Écoute, si j'ai déjà réussi à planquer toute la drogue et qu'il y a encore de la place pour moi, c'est une bonne idée. Le en plus, c'est... j'ai de l'équipement qui me planque un petit peu au capteur et autres scanners. Oui. Donc... Les autres, vous voulez aller à la rencontre de l'Empire. Du coup, bah, oui. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Non. Alors non, on n'a pas envie. Non, voilà, on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix. Mais ah, ouais. Sabam, tu te caches, toi ? Oui. Non, mais c'est une question, en vrai. Parce que, lui, là, ça a passé 6 mois caché dans notre vaisseau. Dans les chiottes, ouais, j'avoue que... 2 heures, ça devrait plus, ça aller pour lui, ça. Mais Sabam, en vrai, s'il te trouve, ils vont te faire du mal. Ouais. S'ils me trouvent et qu'ils comprennent qui je suis, qu'ils cherchent un peu dans leur petite base de données et qu'ils voient mon nom, ouais. Alors, il faut faire en sorte qu'ils ne te trouvent pas là. Alors, c'est pas le seul qui est dans la merde s'ils le trouvent. Ça aussi, et on y passera tous. Voilà. Sabam, je vais donc te demander de me faire un jet de dissimulation. Premier jet de la soirée afin de voir si tu es capable de passer inaperçu. Alors. Dans le vaisseau. Ça a une grosse vibe épisode 4 quand même, hein, les enfants. Je dis ça, je dis rien. Mais non, dis-le. Bah, je dis rien du coup. Qui c'est qui joue ces 3 PO ? Il y a un C3PO. Ah oui, pardon. Excuse-moi, tu es premier degré, excuse-moi. Je vais dépenser 2 points de stress pour activer mon talent de maître des ombres et réduire la difficulté d'un cran. Et bah, je t'en prie. Ah oui. Donc la difficulté passe de 3 à 2. Le mec, il est passé de magicien de Jedi à magicien. Quoi. Bah, la force, c'est quand même très, très forte pour ce genre de choses. Et il a une spécialisation d'ombre Jedi qui lui permet d'être très fort dans la dissimulation. Ouais. Tu viens de faire... Il prend un chapeau. Un échec. Ça ouais, ça c'est un méga échec. Et il disparaît. C'est pas fou. Par contre, tu sais très bien que les avantages, tu peux les convertir en fonction, etc. Ça peut être compliqué. Alors... Ah, il me met pas. Mais ouais, j'aimerais bien convertir mes avantages en succès, mais je ne sais plus s'il en faut 3 ou 5 pour pouvoir faire ça. 3. 3, ça fait 1 point. Donc tu peux convertir en un succès. C'est pas extraordinaire. En gros, pour t'expliquer un petit peu, donc tu t'es planqué, comme t'ont dit tes potes, en fait, pour le coup, d'aller dans les conduites d'aération et autres. Tu te rends compte que, bah ouais, t'es pas de la taille de Jean Class, donc t'es un petit peu comprimé dans une conduite. Elle est pas forcément très épaisse, il faudra pas faire trop de bruit dedans, et un détecteur pourra te niquer. Par contre, l'avantage, c'est que c'est quand même assez dense au niveau du métal pour certains détecteurs, ça peut faire illusion, vraiment. Mais c'est qui tout double. Ouais. C'est vraiment qui tout double. Limite... Tu as un gros risque. Ouais, j'ai limite plutôt envie de tenter ma chance comme je l'ai fait avant, en fait, à l'ancienne. C'est-à-dire sortir du canal, activer mon camouflage optique, mes vêtements anti-scanner. Ça te fera des bonus, bien évidemment. Et puis surtout, si jamais je me fais choper, je peux plus facilement m'en sortir que si j'arrive à peine à avancer ou à reculer. Effectivement. Alors, pour le coup, tu te dissimules, tu es sous camouflage optique. Donc là, ça va être vraiment l'attente d'entendre le bruit, etc. Le capitaine Pouek, Rai et Jinklas, vous êtes prêts. Vous savez que vous allez devoir quand même déposer vos armes dans un premier temps pour éviter tout problème. Et surtout, de pouvoir avancer et aller discuter avec les officiers impériaux. Donc à l'extérieur, vous entendez, eh bien, tout simplement qu'on toque
vous savez, à la paroi, pour qu'on ouvre tout simplement le train. Oh, tout le monde est prêt. Vous savez qui? On n'est pas là. Il y a personne. Non. Ça va être quoi, répondeur. Let's go, on ouvre la trappe une fois qu'on est prêt. La trappe s'ouvre. Qui va accueillir le contingent impérial? Ah, moi j'y vais. Hein. Bah ouais, moi aussi. Okay. Non, mais je veux dire, qui va en premier, qui va parler, quoi. Ah bah moi j'ai des bonus. Ok. Moi je suis derrière pour faire genre. Ok. Très oui, bien. Bah. Bon, vous êtes tous les deux à côté de moi, de toute façon là, j'ai besoin de tout le monde. Bien le bonjour à vous, ça. Quoi vouloir à nous, ça? Tu vois que du coup, t'as un officier impérial, donc, alors, typique en fait, pour le coup, tu sais, cheveux très courts, pas de barbe, etc. La casquette, habillé en blanc complet, donc ce qui est assez étonnant parce qu'on est quand même, bah, c'est un peu la Navy pour le coup. Et tu vois qu'il te regarde, ah, je vois, ok. Messieurs, allez examiner ce vaisseau. Vous êtes le capitaine, je suppose? Oui. J'aime bien, très solennel. Oui. Oui, ça. Vous allez nous suivre jusqu'au premier poste de contrôle. Nous allons procéder à un contrôle de routine de vos identités. Et qu'est-ce qui nous vaut ce contrôle de routine de... si soudain? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de venir ici? Vous étiez en possession d'un véhicule non autorisé. Dans la bordure extérieure ici, vous êtes vraiment venu juste pour ça? Vous êtes sous le giron de l'Empire ici. Vous plierez aux lois impériales, vous en payez ah oui, les bien conséquences. Sûr. Ah oui, tout à fait, on se plie aux lois. Oui. Tu vois qu'il est très impassible, on n'a rien à foutre de ce que tu dis. Hein. Où ça pouvoir récupérer cet engin? Nous ça vous suivre. Très bien. Donc tu vois qu'il fait signe à ses hommes. Alors, les Storms commencent à rentrer dans le vaisseau. Donc, Sabam, toi, qui es planqué, tu commences à entendre, tu sais, bah, les bruits de plastacier sur les plusieurs plaques de métal qui sont présentes. Donc du coup, ça te rassure pas non plus. Oh, putain, chier. Et tu les entends en train de fouiller tout le vaisseau, pour le coup. Bien évidemment, il y en a deux qui restent devant la porte. Et les officiers commencent à vous emmener jusqu'au poste de contrôle. Alors, vous traversez le hangar, vous remarquez que dans ce hangar, il y a quand même pas mal de vaisseaux, etc. Pas mal de monde, en fait, qui est en train de faire des manœuvres et autres, hein, donc des patrouilles, ce genre de choses assez classiques, pour le coup. Et vous arrivez au poste de contrôle, qui est juste à côté du hangar. Ce poste de contrôle n'est pas très compliqué, c'est-à-dire que vous avez une énorme console, en fait, où vous avez un opérateur qui est présent, et vous allez vous mettre face à un mur, un petit peu, si on a la ref, comme dans les Gardiens de la Galaxie, vous allez donner vos puces d'identification et vous allez être scanné, messieurs. Ouais. Qui me scanne? Moi, les puces, je les ai déjà sur moi. Hein. C'est pas faux, mais ça, c'est parce que tu te laves pas. Ça sert à rien. Moi, je les mange. C'est à moi de nous camouflage comme un autre. C'est pas ça s'appelle vivre en symbiose. Exactement, comme les Jawa, du coup. Exactement. Alors, pas comme les Ewoks. Non, pas comme les Ewoks. Effectivement, le mugshot. Alors, vous arrivez... Putain, oui, j'avoue. Ben, c'est totalement ça. Vous arrivez, donc, qui va passer en premier? Allez, arbitrairement, je veux dire que c'est le capitaine qui va passer en premier. Oui, oui, j'arrive. Donc, Jia, tu commences à arriver, donc tu vois qu'ils te mettent face au mur, etc. Voilà, tu prends des pauses. Tu montes le bibi? Je montre? Ah bah, ouais. Allez, le petit bibi. Tu vois qu'il commence à te regarder, tu as bien évidemment donné ton code d'identification. Tu vois qu'il le scanne, il regarde. Ouais, ok, bon. Tu vois que l'opérateur te regarde, l'officier regarde l'écran. Mm-hmm, ok, très bien. Il te fait signe d'aller sur le côté, t'as un petit siège où on te fait t'installer. Jinklas, c'est ton tour, tu commences à passer. Oui. Tu vois que du coup, bah, ils sont obligés de réadapter à ta taille, hein, parce que t'es un petit individu. Oui. Il est où? Ah non, il est là. Ah, il est là. Tu vois par contre que, bah, comme vous êtes que des aliens, on vous traite pas très bien, dans le sens où il y a quand même ce côté
désagréables. Ils sont pas contents de voir vos gueules, clairement. Ça les fait chier. Hein. Moi, je suis intrigué par les armures des Stormtroopers. Ouais, bah c'est du plast classique. En vrai, c'est de la... Par c'est contre, bien. Moi, j'ai une question, en vrai. C'est RB et du lore en même temps. Les armures qu'ils ont, c'est les mêmes que, type que les clones ou pas? C'est elles le même sont matériel, très différentes au niveau des matériaux. Les matériaux sont de moins bonne qualité que les armures clones. C'est du plastique ou c'est de la vraie ferraille? C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle du plastacier pour le coup. C'est un mélange de plastique et d'acier. Et de la vieille frais de la. Voilà, de la vraie c'est comme dans Warhammer. C'est exactement comme dans Warhammer. D'accord. Sauf que du coup, bah, un tir de blaster, bah, tu l'encaisses pas, quoi. Enfin, tu vas l'encaisser, mais tu vas tomber. T'as des chances de crever. Donc elles leur servent pas des masses à grand chose, quoi. Merci Tarte au Citron, merci à toi. Merci Tarte au Citron. Ça leur sert pas à grand chose, effectivement, mais c'est pas leur force, d'accord, pour le coup. Non mais c'est bien ça. Tout à fait. Alors, intéressant coup, de le savoir. Ils te scannent, donc pareil. Moi je fais, une tête de gland, hein, par contre. Hein. C'est genre, Alors, tu vois que l'opérateur est en mode, qu'est-ce que c'est que c'est Je fais exprès, c'est la déstabilisation psychologique. Par contre j'ai une vraie question. Oui. C'est vrai que quand ils nous ont emmenés, ils nous ont donné des codes de clones, tu nous as dit. Oui, tout à fait. Mais on n'a pas vu de clones, on a vu vous des vrais. Vous n'avez pas vu de clones, non, tout mais... à fait. D'accord. Alors moi j'ai une question, Jack. Qui... La dernière fois, on travaillait les dans le lore de Star Wars, les troopers. Oui. C'est pas juste les clones qui ont changé de d'armure. Tu en as, mais en fait, tu as encore des clones dans l'armée régulière et dans les officiers, etc. Très peu, parce que la plupart ont été déconditionnés. Et ça veut dire tuer dit... Non. Et surtout... Remercier, si tu préfères. On leur a dit merci, au revoir. D'accord. Mais surtout, les clones, ça vit hyper vite. Parce qu'ils ont un vieillissement accéléré. Du coup, il en reste un petit peu, parce que... mais après, ils vieillissent tous, en fait. Ils ont, d'accord, ils ont 50-60 ans à l'époque. Où on... bah, moi, je m'étais dit qu'avec Kamino et compagnie, ils avaient des usines à se faire des armées, tu vois. Je oui, mais comme il n'y a plus Kamino, ils ont arrêté tout ça pour avoir des clodos. Oui, maintenant. Parce qu'ils l'ont rasé. Oui, ouais. Mais ça, c'est vous ne le savez pas. Oui, non, mais là, on est en dehors de la connaissance de nos persos. Là, c'est le joueur qui pose la question. Tout à fait. Le Ginklas, il s'en branle, là, que ce soit des clones ou pas, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir le croiseur, c'est tout. Il s'en fout que ce soit des clones. Au niveau de l'histoire, dis-toi qu'ils se sont fait une armée de ouf. Et une fois qu'ils ont réussi leur objectif suprême avec cette armée, ils ont dit bon, finalement, on va prendre des clodos et ça dégage. Et on détruit ceux qui permettent de les faire. Ouais, ok. Grosso merdo, c'est ça. D'accord, okay. Ça me paraît un plan de merde, mais d'accord. Non, mais c'est parce que c'est un génie du mal qui l'a fait. C'est un plan en 47 étapes sur 2 millions d'années, d'accord. On va pas épiloguer là-dessus, mais c'est effectivement un plan extrêmement important de la part de Palpatine à ce titre. Et c'est passé au Sénat, pour le coup. Donc, tu te fais scanner. Ce scanner donne la même chose que le capitaine Pouek. Bon, tu vois qu'ils font un peu la gueule, et finalement, ils te font patienter sur le côté. Autour de Ryder, pour le coup... De Rai qui est scanné aussi, pareil, il voit ta race, tu es une race extrêmement rare pour le coup. Donc tu vois qu'ils sont entre dégoût et intérêt d'une certaine manière, parce que c'est pas souvent qu'on est face à un Ulfur. Déjà, les tiens, ils sortent presque jamais de leur territoire. Hein, donc tu vois, ils sont un peu intrigués en mode, qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Et ils sont clairement en train de prendre tes données biométriques, etc., hein. En scan, ce qui est pas forcément très agréable de savoir ça. Hein. Donc ils te font ensuite passer au niveau des sièges et on vous transfère dans un bureau où vous allez passer à l'interrogatoire préliminaire. Vous êtes ramenés tous les trois dans ce bureau où un des officiers qui vous a accompagné s'installe, vous fait signe de vous installer. Et maintenant on va commencer à discuter. On vous observe pendant plusieurs secondes. Moi je le fixe, genre j'ai trop perdu qu'il le fixe à H24. Genre qu'il le lâche pas. Moi je me cure le nez et je regarde à côté quand c'est mon tour. T'en veux? Moi je suis en détente avec un grand sourire. Vraiment, Ginklas il comprend pas du tout, tu vois ce qu'il fait là. Genre il est là, ok, bon, on fait chier, filez-moi les clés du croiseur, on fait un drift et on se casse, quoi, tu vois. Genre, c'est bon. Je regarde avec un grand sourire et. Oui? D'après nos informations, il a été noté que vous avez une prime sur la tête. À hauteur de 10 000 crédits par personne. Selon les chefs d'accusation, tu vois qu'il prend un datapad, vous auriez détruit un hangar, coups et blessures, meurtre prémédité. Il vous regarde du coup. Nous ça ? Quoi ? Non.
Il doit y avoir erreur sur le Gungan. Bah, du coup il te montre hein, le datapad. Alors, du coup, tu vois ta gueule. Le mugshot. C'est pas celui qu'il vient de te faire, mais le vrai mugshot qu'il y avait. Avec une prime, pour le coup, dans le stationport de Rishi. Non. J'ai tellement envie de dire des conneries, mais je vais tellement tout niquer. Je me retiens très fort. Lui, ça a d'ailleurs pas mis ça. Ah, vous savez encore confondre les races aliens. Et si de ça être nous. C'est sympa. Qu'est-ce que... Comment nous ça pourrions-nous nous arranger? Nous arranger. Selon les chefs d'accusation, c'est 20 ans de réclusion criminelle dans un de nos centres pénitentiaires. Ouais, mais ça va pas être nous ça. Vous êtes sûr, capitaine? Tu vois qu'il regarde ton nom. Yatan Pouek. Oui. Tu veux essayer de le baratiner? Oui. Bah je t'en prie, ça va être un jet, mon cochon. Ouais, un peu un monde où ça passe en fait. Hein. Vas-y, mande la difficulté là. Parce que vraiment, alors, difficulté 4 pour le coup. Tu es quand même face à un officier impérial. C'est son boulot. Alors, petite info. Vous êtes quand même deux en particulier, parce que Jinkla, t'as un peu moins côtoyé l'Empire et les militaires. Par contre, avant que tu fasses ton jet de charme ou autre, ce que tu veux, Jia, Rai et Jia, vous allez me faire charme tous les deux va. Un jet, pour le coup. Attendez. Vous allez me faire un jet de culture, s'il vous plaît. Et quoi? Planter des patates? Ou éducation. Oui, culture de patates, ouais. C'est la même chose pour les deux. Hein. Je vous demande une difficulté de 2 pour le coup. Ouais, ouais. Bah écoute, check, c'est con. Oh, il a réussi. 2 succès et 2 menaces par contre. 2 menaces quand même. Alors, les menaces se traduisent par la réaction que tu vas avoir. Parce que ce qui est en face de toi, c'est pas de la marine impériale. Et tu commences à le remarquer par rapport aux insignes qui sont présents, les détails, etc. Alors tu vois qu'ils ils ont le petit stylo, le cylindre code en fait, hein, etc. Tu vois qu'il a plusieurs médailles, clairement ça a l'air d'être un lieutenant, le monsieur. Bon, très bien. Et tu vois un insigne qui ressemble à quelque chose que tu as croisé il y a longtemps maintenant, qui te fait froid dans le dos. Il s'agit du BSI. Alors, je ne connais pas le BSI en tant que joueur, donc le bureau des services impériaux. Ce sont les services secrets. Ah ouais, là-dessus, là. C'est le Space FBI. C'est peut-être nous. Bureau de sécurité impériale, pardon. Excusez-moi. Et oui, c'est un peu le Space FBI, si tu préfères. Ouais. On augmente encore la difficulté, en vrai. J'ai bien fait. Mais arrête. Je suis content d'être resté planqué. Pour l'instant, oui. Oui, t'as bien fait. Du coup, Wright en mode... Putain, on est dans la merde. On est dans la merde. Ouais, non, mais là, je me renfonce un petit peu dans mon siège. Là. Est-ce que tu fais un coup de coude au capitaine ou... Oui, devant l'officier impérial, ça me paraît bien. Ah oui, oui. Capitaine, on est dans la merde. Oh, juste, j'attends de voir un peu s'il va réussir à le convaincre, j'essaierai de rattraper le coup après. Je t'en prie, mon cher Jia, tu peux faire un jet. Alors, du coup, tu m'as dit que je pouvais tenter un jet de charme, et est-ce que je peux y mettre un point lumineux? Pour moi, tu peux faire un jet de charme, tu peux faire un jet de tromperie, en fait, c'est tout ce que tu veux par rapport à comment tu veux d'embobiner tout ça. Et effectivement, tu peux mettre un point. Je vais juste essayer de rentrer dans son jeu et juste de dire, bah non, je comprends très bien ce qui se passe et tout, mais malheureusement, c'est pas nous. C'est même pas le même vaisseau. Regarde sur les photos. Vrai, c'est vrai. J'ai rien à voir avec ça. C'est même pas le même rongeur, regardez bien. Il a plus de bras que le nôtre. C'est même pas le même rongeur. Alors, je me souviens jamais, c'est...
améliorer l'aptitude pour quand tu utilises un point lumineux. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, je te donne un point. Et je fais mon jet. Et on prie tous fort. Voilà. Un succès. Alors, juste, je vais faire plaisir aux personnes qui sont fans du jeu. Mais c'est juste pour l'utilisation de points de côté lumineux. Voilà, c'est juste pour le fun. J'ai pas vu. T'as pas la ref, ok. Tant pis. Non, j'ai pas entendu de son ou de choses comme ça. Non, c'était la musique. Ah oui, bah j'ai pas la musique. Excuse-moi. C'est pas grave. Si vous avez la ref, voilà. Donc tu commences à, bah je t'en prie, vas-y rentre dans son jeu. Donc on va être en discussion. Oh. Il sait vouloir aider vous ça, mais ça pas être nous ça malheureusement. Alors je ne comprends pas, selon les rapports, il est précisé que l'équipe était composée d'un Gungan, d'un Nulfur et d'un Chandrafan. Tu vois qu'il regarde Jinklas, mais je pense que la description du Chandrafan ne doit pas correspondre, vous devez être un cousin de cette espèce tout aussi... Magnifique, c'est le mot que vous cherchez. Ah, on a perdu. Malheureusement, il y a possiblement des personnes Amisa juste ici. Je regarde Rai Chandrafan, mais très peu de gens en avoir vu. Peut-être que ce que eux avoir vu ne pas être Chandrafan, tout comme mon ami Amisa d'une classe. Pas totalement correspondre à la description. Mais nous, ça, être là pour se plier à ce que vous, ça, vouloir. Hein. Si vous, ça, vouloir chercher ou autre, si nous, ça, pouvoir vous aider. Vous êtes dans quel corps de métier? Au vu de vos accoutrements, je pense que vous êtes des contrebandiers ou des pirates, peut-être. Mécanicien, pour ma part. On est dans le mercenariat. Misa me qualifie de voyageur. Il est con. J'adore. Misa oh, être c'est... voyageur. Magnifique. Tu vois qui te regarde. Comme vous le savez, l'Empire est toujours à la recherche de nouveaux talents et c'est vrai que les circonstances qui nous ont amenés ici pourraient nous amener à embaucher des malandrins comme vous. Oh. Le grand plaisir de rendre service à l'Empire. Mais ça peut être malandrin si on paye bien. J'ai besoin de mécanos, c'est ça que vous voulez dire? Moi je suis mécanicien en fait. Hein. Mais ça peut être très coquin. Oh non, bah non, pas de séduction par Gungan. Oh oui. Tu sais, à ce moment-là, Jai commence à faire tomber un peu sa chemise et tout. Ça à vouloir. Il est 21h20, ça part déjà en couille. Ça promet tellement. Moi j'ai l'habitude. Oui, bah du coup, avec la partie d'hier, c'était. Bah, c'était minute 5. Voilà. Minute 5, fou rire. Voilà. Du coup, il te regarde. Très bien. Alors, pas pour la séduction. Hein. Non, ça c'était pour le fun. Ça c'est juste pour le chat, juste pour vous. Juste pour toi. Je sais très bien qui tu es. Je vous propose dans un premier temps de vous consigner à des quartiers pour procéder à d'autres vérifications et ensuite nous verrons quel type de mission nous pourrons vous confier. Sachez que notre gouverneur est toujours à l'affût de nouveaux talents. Donc et vous n'avez pas de mécano sur votre vaisseau. Tu vois qu'il te regarde, il regarde le capitaine. Je vous rappelle que nous avons les meilleurs mécaniciens de toute la galaxie. Oui. Mais si vous voulez m'embaucher, c'est que vous en avez besoin d'un mécano.
j'ai une classe qui essaie de faire du bluff, mais... Si le bluff est fini, genre toute la négociation est finie. Mais sinon, tu veux un mécano. Non, mais c'est bon, on peut repartir. Ouais, mais sinon... Tu veux un mécano, hein. Entre autres, en fonction de vos capacités, mais vous ne toucherez à aucun appareil impérial. Oh. Serait préférable d'éviter de vous mettre entre les mains des Gaunt. Pour l'instant. Quoi ? Entendez ce que vous avez dit, monsieur l'officier. En fait, je disais, il faudrait mieux éviter de vous mettre entre les mains des Gaunt, qui est une... Les Eugnaut, pardon. Qui est une c'est race quoi ? C'est race petit cochon. Si vous avez regardé Mandalorian, celui qui dit « j'ai parlé », c'est ça. Ah, oui, moi j'avoue que j'ai un peu skippé de ma mémoire Mandalorian. Il n'y a pas de soucis, ce sont les meilleurs mécaniciens de la galaxie techniquement. Les plus doués. Bien, nous allons donc vous emmener à vos quartiers temporaires et puis nous allons procéder à ces vérifications. Bien évidemment, toutes vos armes seront confisquées et quoi vous aurez quelques collations en attendant. Mais comment on est censé se défendre ? Mais vous n'avez pas besoin de vous défendre, vous êtes en sécurité ici. Ah, sur le vaisseau, on a plus nos armes. Tout à fait. Non, mais d'accord. Avoir 10 collations. De la bouffe. Vous ça, avoir bière de Naboo avec supplément de vase. Un petit club sandwich galactique. Vous aurez de l'eau avec des rations. Un panini impérial. Très bien. Un Mac Naboo. Mais oui ! Mais oui ! Oh putain, mais oui. Ça va être bon aussi. Oh, c'est dur. Vous êtes vraiment trop. Imperial Fried Chicken. Je l'aurai, ma bière. Du coup, bah, il vous fait signe de vous lever. Moi, j'étais déjà debout, en fait, depuis le début. Oui, ils s'en sont pas doutés parce que voilà. Je suis pas grand. C'est ça. Moi, je me tourne. Il se relève, du coup, il commence à vous emmener avec escorte, bien évidemment. Vous êtes accompagné de 4 Stormtroopers, pour le coup, jusqu'à des quartiers temporaires. Ces quartiers, en fait, on va pas se mentir, c'est des cellules. Hein. C'est juste que c'est un peu des cellules plus. Vous avez une petite chambre, il y a 4 lits. Et juste des chiottes, et c'est tout. Voilà. Avec un petit hulot, J'essaie de gratter les plaques d'armure des Stormtroopers, moi. Okay. Ah non, mais fais pas ça. T'es sérieux, par contre, tu commences vraiment à gratter une armure ? Bah, je sais pas, j'essaie de regarder, tu vois. J'ai jamais vu de près, alors j'essaie de zioter. Et puis, à un moment, je vais tendre le doigt, tu sais, pour voir comment c'est foutu, c'est quoi. Peinturer le pare. Du coup, tu le mets Oui, c'est ça, exactement, tu vois, genre, c'est. C'est la peinture ou c'est l'acier qui a cette couleur-là? Je lui mets un poke sur l'épaule pour. Je lui mets un poke sur l'épaule avant qu'il touche. Ah, d'accord, ok, parce que sinon j'allais faire une réaction, mais ok. De quoi? Bah, touche pas. Je te mets un poke sur l'épaule au moment où tu essaies de toucher, genre. Et quoi, s'ils m'embauchent comme mécano, il faut bien que je sache de quoi ils ont foutu, les types? Ça mêle pas à eux. Imagine qu'ils me mettent aux armures, à la réparation, il faut quand même chercher comment c'est foutu. Alors, ils vous entendent, hein. Oui, je sais bien, mais je m'en fous. Celui qui t'escorte, il te regarde vraiment en mode non, mais me touche pas, quoi. Même pas avec un bâton, quoi. Un problème, Trooper ? Circulez, citoyen. Ça, je reconnais, c'est dans Paranoia, ça. C'est votre ami l'ordinateur qui parle, là. C'est pas le Trooper. Hein. Ça, tu me l'as fait pas, moi. Hein. Le bonheur est obligatoire, après, il y a écrit sur les écrans, tu sais. Très, très bonne rêve. Happiness is mandatory, exactement. Tout à fait. Alors, du coup, vous êtes escorté dans ces cellules temporaires. Alors, elles sont pas fermées avec des portes, vous savez, avec générateur, pour le coup, donc un bouclier. Mais c'est vraiment une porte physique. Ce sont des portes en métal, pour vous, et en duracier. Donc, ce qui veut dire que si jamais vous voulez vous échapper... En duracier. Chose qui est possible. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Ah, le nom. Si vous essayez, c'est de l'acier, c'est dur, du acier. c'est comme pam pam boum boum pour le pistolet, quoi. Si vous essayez de vous échapper, il faudra essayer de péter la serrure et sortir. Bien évidemment, il y a des caméras dans la cellule, vous n'avez aucune vie privée, c'est sûr. Et donc, on vous laisse là, avec une table, un chiotte, 4 lits, et on vous dépose des collations aussi, tout simplement. Vous êtes maintenant isolé. La porte se ferme derrière vous. Il n'y a que vous dans la pièce. Sabam, lui, est toujours dans le vaisseau. Bon, on n'est pas dans la merde.
On est tous les trois dans la même ou on a chacun la nôtre? Ah non, vous êtes tous les trois dans la même. Ah. Et il y a les lits, c'est comment? Des lits superposés. Voilà. Je dis prime, c'est, je vais tout en haut. T'inquiète. Bon, puis, tu sais, je fais un lit avec les couettes. Ça va être bien passé. Bah, en vrai, on s'en tire pas trop mal, hein. Moi, je trouve. Regarde, on va être embauché comme voyageur et mécano, c'est cool. Nous ne savons pas être engagés comme mécano. Bah, nous si. Nous être engagés comme main-d'œuvre pour basse besogne utilisée ici. Oui, mais basse besogne, ça peut être la mécanique, non? Moi, je suis mécano, de toute façon. Et puis, j'essaie de faire un signe disque, enfin, tu sais, le plus vers les caméras, tu sais, en mode. il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Il y a les caméras, je suis pas fou, j'ai pas oh, imaginé oui, tout à fait, trucs, hein. Voilà. Même pas planqué. Hein. Et pas, si t'envoie faire du travail de mécano, ce sera pas sur des vaisseaux ou quoi que ce soit, ce sera pour récurer les. Ou réparer la maintenance des égouts. Les égouts, c'est important. Ah oui voit. Bah, c'est pour l'hygiène, hein. Jean-Claude, toi, ça vous parlez d'hygiène, sérieusement? Oui. Et moi, je suis très propre. Hein. C'est vous qui n'avez pas l'habitude de l'odeur. Vous sentez la vase toute l'année, je vous dis rien, Captain. Toi, ça, avoir morceau en plus de l'odeur. Ça Bon, bah, on est bien là, c'est cool. Et je vais essayer d'ouvrir la porte du coup. Maintenant que j'ai posé mes affaires. Bah, en fait, t'appuies sur le bouton, tu sais, il y a un bouton toujours. Hein, ah, c'est. Y a pas de poignée, on peut pas. Y a, alors, des poignées dans Star Wars, en vrai, il y en a pas beaucoup. Sauf dans les mondes primitifs. Là, le système de poignée n'existe plus. Bah non, bah tu sais, c'est des portes à pression, hein. T'appuies sur le truc, ouais, ça fait oui. Donc non. Alors du coup, tu appuies et puis non, ça fait tutut. T'es enfermé. Est-ce que je peux le hacker? Tu peux tenter, bien sûr. Alors je vais mettre entre deux manières ce que la caméra voit pas ce que je fais, tu sais. Toi ça, ouais. Pas toucher, nous ça attendre, tranquille. Mais moi j'apprends mon futur travail de mécano, c'est tout. Oui, mais toi ça, nous faire tuer. Bon, et du coup, je tape du pied, et puis je baisse la tête, et puis je retourne me nicher dans le lit là-haut. Et puis, Faut arrêter de déconner avec eux, c'est des mecs, c'est des membres des forces spéciales et des services secrets impériaux. Alors, du coup, pour le moment, si je comprends bien, vous allez rester un peu tranquille? Oui, là, pour l'instant, on va jouer le jeu. Ça va durer 5 minutes. Oui. Pour l'instant, on va jouer le jeu, on va te laisser le champ libre pour ton moment. Alors, qu'est-ce qui vient faire le scan du véhicule? Qui est-ce qui vient fouiller le petit vaisseau? J'allais y venir, pour le coup. J'en profite. Donc, en fait, toi, de ton côté, bah, t'entends les bruits des Stormtroopers qui sont en train de fouiller, etc. T'entends, tu sais, les vieux bruits de com, mais très légers pour le coup. T'entends pas trop ce qu'ils disent parce que. Je suis en camouflage optique, j'ai pas peur de me rapprocher. Je sais qu'il y a des trucs qui peuvent me repérer, mais j'ai aussi la force pour m'aider. Ouais, ouais, ça, tu prends un risque hein, si jamais tu le fais. C'est juste pour info. Du coup, en fait, non, tu les entends partir au bout d'un moment. Clairement, il reste une bonne dizaine de minutes, tu sais, à essayer de fouiller. Donc, c'était clairement le temps qu'on les emmène, qu'on fasse les vérifications, etc. Et un peu plus tard, tu entends qu'on ramène des, tu sais, des espèces de cantines avec clairement tous les détecteurs. Et là, c'est plus des bruits de bottes de Stormtrooper que tu entends, ce sont plutôt des bottes classiques pour le coup, d'officiers ou simplement de techniciens. Qui sont clairement en train de passer, et t'entends les bruits des détecteurs, c'est le piou, tui, tui, tui. Alors très bien, une fois que je les entends, je vais les éviter, et je vais sortir du vaisseau. Tu vas me faire un petit jet de discrétion, difficulté 3, quand même. Et là, il y a 2000 Stormtroopers dans la soute. Non, mais tu prends un risque. Hein. Je te mets quand même un dé de défi, s'il te plaît, au vu de la situation. Difficulté et défi. Difficulté et défi. Bah oui, attends, t'es dans un hangar impérial avec des patrouilles, des caméras, des pilotes qui sont en train de se faire leur check-up, etc. C'est chaud. C'est vrai. C'est vrai. Ça t'arrêtera pas, okay. Je sais. Là, je t'en prie. Je crois que c'est le bon moment pour utiliser un point du côté lumineux. Hein. Est-ce que tu es sûr, c'est le dernier? Ça te laissera des points du côté obscur à utiliser. Oh, j'en aurais 4.
On te laissera de quoi t'amuser. Bah là, oui. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Tout. Et je vais à nouveau utiliser 2 points de stress pour réduire le... Tu peux, effectivement. C'est parti. Donc, je passe à 4 points du côté obscur. Un succès, 3 avantages. Tu peux décider de transformer ces trois avantages en une réussite si tu le souhaites. Ouais. Allez. On a 2 réussites. Effectivement, tu vois les officiers, et un officier et les techniciens, tu en as 3 pour le coup, qui sont en train de faire leur boulot, passer les détecteurs, etc. Bon, ils ont l'air de se faire chier. Mais genre, vraiment, c'est de la basse besogne de merde d'inspecter des vaisseaux. C'est chiant, c'est long, et en plus, t'es payé la même paye. Donc, c'est vraiment un enfer. Tu vois l'officier qui est clairement les bras dans le dos, en mode... Ça le fait chier. Et, discrètement, tu es en camouflage optique, tu arrives à passer derrière les techniciens et sous les yeux de l'officier. Tu arrives à l'extérieur, tu es donc dans le hangar principal, et là, tu vois, pour le coup... la densité de personnes qu'il y a dans ce putain de hangar. Et tu te dis, merde, quand même, c'est assez impressionnant. Et surtout, tu ne sais pas où sont tes potes. Ouais. Je vais trouver un... Essayer d'aller trouver un endroit où je peux aller me changer. Alors, tu connais pas les vaisseaux impériaux, parce que ça fait très longtemps que tu n'as pas mis les pieds là-dedans. Mais il y a quand même des indications parfois en basique, qui est assez simple. Tu vois clairement que, en gros, le hall B, donc, qui est sur la gauche, ça a l'air de mener vers les casernes. Bah, je vais aller par là. Okay. Est-ce que j'ai vu peut-être le nom de l'officier sur une barrette qu'il aurait ou un truc comme ça ? Non, ils ont pas leur nom. Si, je sais pas si tu... Alors, c'est vrai que ouais, c'est important. Ils ont pas leur nom, pour le coup. Je vois. C'est très impersonnel, l'Empire. Hein. Ouais. Pardon, moi, ce que tu disais. Donc je disais, tu peux effectivement essayer d'aller te diriger vers cette partie du vaisseau. Ouais. Tu vas faire un petit jet supplémentaire. Là, je te mets pas de jet de défi, je te demande quand même 3 réussites. Juste pour essayer de se déplacer dans le hangar discrètement. Oups. J'ai 4 avantages. Je transforme 3 avantages en succès. Un succès. C'est léger. C'est léger, mais tu arrives à passer. Et honnêtement, tu passes, tu sais, derrière des énormes blocs où il y a du matériel, etc. Tu vois qu'ils sont en train de faire un peu plein de choses. Et ils sont en train aussi de décharger du matériel. Et du coup, tu passes derrière tout ça en mode discret. Tu arrives à passer dans la première coursive et tu vois effectivement qu'il y a la caserne un peu plus loin. Parfait. Je m'y dirige. Ouais. Dans la ferme intention de réquisitionner un uniforme. Alors, j'y arrive assez facilement. En vrai, tu vois qu'il y a des... Il y a du personnel, hein, pour le coup, qui est en train de se changer. Ça discute. Putain, t'as vu le dernier speeder ? Ah ouais, c'est trop bien. Bon, voilà, le truc classique, tu vois. Et pour le coup, les vestiaires sont mixtes. Et t'as des races humanoïdes majoritairement. T'as quand même quelques races extraterrestres, un tout petit peu. Ok. J'ai chopé un uniforme de technicien. Ouais. Bon, t'arrives à en trouver un. Tu sais, tu t'approches, tu piques des vêtements discrètement et tu te diriges, je suppose, vers, tu sais, les cabines de douche. Ouais. Alors t'arrives, etc. Et tu peux effectivement te changer. Donc là, tu vas avoir un nouvel uniforme. Tu vas toper des vêtements quelque part. Ton sabre laser étant toujours planqué. Ouais. Et en tant que technicien, tu n'as pas le droit d'avoir de blaster sur toi. Pas d'arme. Ouais, je vais trouver un endroit pour planquer tout ça ou mettre ça dans une petite valise. Ouais. Bah, tu te rends compte déjà que la tenue de technicien, en fait, c'est une tenue qui est plutôt ample pour le coup, qui permet de stocker un peu plus de choses. Donc, t'as des grandes poches, etc. T'as des poches avant.
Tu as une toute petite casquette avec des lunettes comme tu as, tu sais. Si vous avez vu Rogue One, pour le coup, la tenue de body, bah, c'est entre la tenue de technicien et la tenue de pilote. Hein. Donc voilà, c'est juste très simple pour le coup. Et voilà, donc t'es en uniforme gris et non pas blanc, comme les officiers sont venus vous chercher. Ok, à partir de là, je vais... Déjà, je vais voir si je me sens attiré d'un côté à l'autre ou pas au travers de la force. Et si c'est pas le cas, bah, je passerai un petit appel au capitaine. Tu peux me faire un petit jet du coup de perception pour essayer de percevoir les copains, essayer de les ressentir. Sinon, effectivement, tu les pings et puis ça suffira largement pour savoir où ils sont. Spécialement eux que je cherche, en fait. Eux, je sais que je peux les appeler. Ah, tu veux plus parler de la clé, du coup. Même pas forcément, même pas. La clé. Genre, est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire? Quelque chose de familier? Genre, est-ce que je ressens toujours la personne que j'avais ressentie à la base? Tu peux me faire un jeu. Ah oui, c'est vrai. Deux succès, pour le coup, je te demanderai. Enfin, difficulté 2. C'est lui garder, donc. Yes. Un succès, deux avantages. Effectivement, tu ressens une présence qui est pas si masquée que ça, mais en même temps, elle est très familière, mais elle n'est pas agréable. Ah. C'est très léger, c'est très subtil. Elle te rappelle quelque chose. T'arriverais pas à mettre les mots dessus, par contre. Elle est loin. Et elle est assez menaçante. Oh. Ok. Je retire mon holo. Passer un petit coup de fil au capitaine. Du coup, capitaine Pouek, tu entends ton holo qui fait tududut, tududut. Il s'en bat le Non, je vais... C'est chaud de décrocher avec les caméras au-dessus, là. Non, je... Tu veux pas lui mettre un texto, plutôt? Je vais décrocher, dire... Bah, un space texto? Non, je vais juste décrocher, et je vais dire... Ça va être étrange, j'ai l'impression que... Il y a des interférences ici. Et je vais raccrocher. Histoire qu'ils comprennent que j'ai la possibilité de décrocher et que c'est ma voix qu'il entend, mais qu'il essaie de comprendre que je peux pas lui parler. Très bien. Et de manière à ce que ça soit aussi un peu discret, genre, ah tiens, c'est bizarre, il y a eu des interférences sur le truc. Après, à voir s'il comprendra ou pas. Mais je tente un jet de bluff comme ça. Il n'y a pas de jet à faire, mais c'est une très bonne idée pour le coup. Ok. D'ailleurs, de notre côté, dans la, est-ce que on a accès à un jeu de cartes ou des dés, des trucs comme ça, vrai, dans ouais, truc, allez. Un jeu de cartes. Tu as accès aussi à l'holonet pour le coup, les informations en temps réel, techniquement en fonction du délai, bien évidemment, du flux d'informations. Tu as accès à l'holonet, donc les informations générales, la propagande impériale, évidemment. Space les... BFM, quoi. Voilà, j'aurais pas dit. Du coup, je prendrais le jeu de cartes juste et Noussa jouer à un jeu de Naboo, un jeu de Gungan de Naboo. Et je vous ferai jouer à un faux jeu qui nous permettra de parler en utilisant les cartes. Ah. Mm-hmm. En fait, je sais pas si Jingle va être capable. Tu vois, genre le mec du BSI sera l'as, Sabam sera le Joker. Moi, je serai le roi. Rinda sera la non. Si ça, Rinda sera la reine. Jinklas sera le valet. Et tout le reste des cartes seront des Stormtroopers. Et en fait, à chaque fois, c'est on se met dans des situations et si on arrive à être entouré par des cartes de, si on arrive à ne pas être entouré par des cartes de Stormtroopers ou à être attrapé par le par l'as, on a gagné. Mais là, ton jeu de cartes est trop petit, de toute façon. Mais c'est compliqué, mais manque, parce qu'en fait, c'est essayer de trouver une évasion en utilisant les cartes. Il manque à peu près 20 000 cartes de Stormtrooper, de toute façon. C'est une représentation. Donc, on va essayer de... Comme ça nous, on va parler en dehors du chat, de manière à ce que toi, tu puisses... Enfin, dans le chat, de manière à ce que toi, tu puisses le voir quand même. J'ai pas compris les règles du jeu, Capitaine. Bah, j'ai rien bité. Sinon, on peut juste... C'est chelou, votre truc. Sinon, on peut juste l'écrire sur un bout de papier, non? C'est bien aussi. Non, il y a une caméra. Oui, ben on se met devant la caméra et puis hop. Le papier dans Star Wars, les gars, je suis désolé, mais
Quoi, il y en a plus trop... Bah non. Non. Non, que sur c'est du holo papier maintenant. Bah ouais. C'est du space papier. Exactement, tu torches avec du holo papier. Tu torches avec du. Mais oui, comment il faut pour se torcher s'il n'y a plus de papier? Du holo papier. Bah avec de l'eau, hein. Ou alors ils ont tous des chiottes à la japonaise là. Bah oui, c'est ça. Enfin, c'est plus que de torcher, hein. Excuse-moi, mais ça, c'est un peu hardcore, quoi. Bon, bah, du coup, on va juste continuer le à shot. Discuter en racontant notre vie. Et en même temps, vu qu'il y a la table, on peut taper un peu en morse sur la table pendant qu'on parle, de manière à ce que le bruit soit étouffé. En vrai, Jia, c'était une bonne idée. Tu peux effectivement utiliser les cartes. Du coup, ce carte de sabac, hein, comme le dit Cardeno, c'est bien, j'allais le préciser. Et ça permet, en fait, tu vois, d'estimer un petit peu comment tu peut positionner les trucs, genre si bah effectivement l'officier rentre et qu'il y a deux autres mecs, comment on les intercepte, etc. Je pense que c'était ça ton objectif, effectivement. C'est ça, c'est essayer de nous préparer et de manière à ce qu'on puisse être coordonné pour ce qui va se passer et tout. Et du coup, on va l'écrire nous après là dans le, on va discuter dans le chat, mais de manière à ce que toi tu puisses quand même le voir et que nous on puisse essayer de faire un petit plan de notre côté aussi. Pendant que Sabam lui fait le sien. Tout à fait. Alors Sabam, pour le coup, toi, tu as quand même pingé le capitaine, donc tu l'as appelé. Et je te rappelle que tu as quand même un élément qui fait que tu peux détecter tes copains. Parce que bah, tu viens de pinguer en fait. Donc ouais, tu sais où il peut se trouver. Alors t'as pas la carte de l'endroit, tu ne connais pas du tout l'endroit. Mais ouais, je connais pas le chemin, mais je sais où il est. Ça t'a donné une direction, donc maintenant il faut juste se promener. C'est ça, ce que je veux faire. Alors du coup, tu sors des vestiaires. Tu vois que bon, les gens font pas attention à toi, honnêtement. T'es un technicien parmi tant d'autres. Tellement de monde, je compte vraiment sur l'effet de masse pour qu'on ne fasse pas attention à moi. Plus important, c'est d'avoir l'air de savoir où je vais. À partir du moment où ils voient que je sais où je vais, personne ne me fera chier. Bah, du coup, tu commences à regarder un petit peu autour de toi et tu vois que bah, la direction, déjà, tu regardes sur ton datapad un petit peu où se trouvent les copains. Et bah, en fait... Il y a un chemin qui commence à se dessiner. Déjà, tu commences à découvrir un petit peu le vaisseau. Donc, ta carte commence à s'ouvrir progressivement. Tu te rends compte que le vaisseau est sur énormément d'étages. En même temps, on est sur un croiseur, hein, c'est pas rien. Ouais. Y a facile 10 000 personnes qui travaillent là-dessus. Et ça, je parle juste du personnel à bord. Je parle pas des Stormtroopers. C'est énorme. Hein. Et ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a des geôles. Y a un laboratoire, il y a un centre médical, plein de choses différentes. T'as même trouvé, pour le coup, à côté de la passerelle, parce que tu as accès, tu peux estimer que tu as accès à une carte, parce que tu sais, t'as toujours des cartes de, comment dire, sortie de secours, machin, etc. Et ben, tu vois même qu'il y a le bureau du gouverneur qui est juste à côté de la passerelle. Voilà, avec une belle vue. Gouverneur ? Là, le gouverneur. Ok. Ça me donne envie d'explorer, mais je peux pas juste laisser mes potes en prison et attendre qu'ils se fassent exécuter. Donc, je vais commencer par aller les voir. Ok. Au bout d'une bonne 15, 20, 30 minutes à progresser dans le croiseur, tu vois que honnêtement, déjà les gens font vraiment pas attention à toi. Parce que tu passes pour le Tekos qui est en train de chercher un peu son chemin de temps en temps, mais en même temps, voilà. Et tu commences à arriver dans le secteur de sécurité. Là, par contre, ça va être un petit peu plus difficile pour rentrer. Tu vois qu'il y a des Storms qui sont en train de garder plusieurs cellules, entre grosses guillemets, qui sont vraiment des zones d'isolement, en fait, où on met les personnes qui ont été récupérées par les services. Du coup, bah, t'as une porte. La localisation de tes copains, elle est derrière cette porte, juste à côté. Et t'as deux Stormtroopers qui sont devant. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est genre... C'est pas l'entrée de... Enfin, les Stormtroopers sont genre devant l'entrée de la plus grande salle dans laquelle il y a plusieurs cellules. Tout à fait. Pas juste devant la mur. Ah non, 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 ils sont vraiment devant l'entrée, tu sais, de ce compartiment, quoi. De ce bloc. Pas de leur cellule. Ils sont juste en train de garder, tu vois, qu'ils sont en train de discuter. Ok. Je vais aller me mettre dans un coin. Ouais. Non, non, c'est une connerie. Je vais aller devant les Stormtroopers, me pointer dans mon datapad,
Et officier. Tu vois que du coup, bah, ils étaient en train de discuter entre eux, puis ils relèvent la tête. Tu vois, ils ont les plasters en main, hein, évidemment. Oui. Le chef de cellule m'a indiqué qu'on a détecté des variations dans les champs de protection au niveau des cellules. Il m'a demandé d'aller vérifier tout ça et de réparer les avaries. C'est bizarre, on n'a reçu aucun ordre. Attendez, bougez pas. Vous avez reçu des ordres. Ah, ok. Tu vas me faire un jet, du coup. Tu as, du coup, c'est un pouvoir hein, que tu peux utiliser normalement. Perception. Perception, effectivement. Bah oui, Jedi Mind Trick, évidemment. Je vais te demander quand même deux succès. Difficulté 2, pardon. Difficulté 2. Ce sont des esprits faibles. Du coup, bah, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis exactement ? J'ai les autorisations, tout est en règle, vous allez me laisser rentrer. Tu vois qu'il se regarde et... vous avez les autorisations, tout est en règle. Vous pouvez rentrer. Du coup, tu vois qu'il prend son cylindre et il l'active, et il tourne le truc. La porte s'ouvre, et là, t'arrives dans du coup ce bloc cellule. Et tu vois que bah, ça bip-bip à côté des copains, hein, pour le coup. Passe la tête, je regarde dans la cellule. Je me fous devant le... Tu vois qu'il y a une caméra, tu sais, parce que du coup, il n'y a pas de hublot ni quoi que ce soit. T'as un pad avec une caméra et tu les vois en train de jouer et clairement en train de discuter. Ok. Ça te fait un peu marrer de les voir un peu en tôle, c'est marrant. Un peu. Je vais... Non, arrête de mettre des idées comme ça dans les gens. Je vais aller jeter un œil au... possibilité de rentrer informatique avec le... Ah. Je n'ai plus le mot. Le cylindre ? Ouais, les... Les tournevis, tu veux dire. Ouais, ok. Voilà. Okay. Pour pouvoir aller traficoter un peu, voir si j'arrive à rentrer dans le système sans trop péter de trucs et sans me faire péter la gueule. Genre, je suis à l'intérieur, donc avec un peu de chance, ce sera plus simple. J'aide informatique pour essayer de pirater... Une porte de prison impériale. Difficulté 3. Il manque juste la musique des Ewoks. Vraiment. Non. Ah, vu que ça fonctionne comme ça, je vais réclamer 2 dés de fortune parce qu'on est directement à l'intérieur de l'intérieur. Ouais. Tu réclames 2 dés de fortune. Ouais, je te les autorise. Ouais. Yes. Mais je prends un point du côté obscur. Encore ? D'accord, what the fuck ? Difficulté 3 dans tous les cas, c'est chaud. Parce que je n'ai que 2 dés, mais on va essayer. Mais moi je te les autorise. Je récupère un point du côté obscur supplémentaire. 2 échecs, quand même. Du coup, messieurs, qui est à l'intérieur de la cellule, vous entendez du bruit, et ça bam, tu te prends un coup de jus, tu sais, ça, c'est vraiment un peu comme R2 qui met son truc, et tu sais, ça fait et vous entendez du coup le bruit à l'extérieur de quelqu'un qui est en train de se faire taser. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais aller cliquer sur la console. Ah putain. Et moi je m'approche un peu. Est-ce qu'il y a un angle mort à la caméra ? Ouais, on va dire oui et non, c'est un peu compliqué. En dessous. Voilà, en dessous. Oui, genre en dessous, par exemple, oui. Bah, du coup, c'est comment ? C'est une cam. C'est les caméras en vrai, c'est les caméras 360 degrés, donc c'est un peu compliqué de se cacher. Ah ouais, ouais. Ah merde. C'est quoi ? Donc y a pas de fil qui dépasse, du coup. Non, c'est dans le mur, du coup. Ah, la force peut quand même affecter une caméra. Ouais, mais pour l'instant, t'es juste en train de te faire taser. C'est juste que. Oui. Laisse-les agir le temps que. En fait, je sais pas, parce que moi, encore une fois, je me dis, il y a une putain de caméra. Si on te fait, ça va, c'est toi. On est mort, tu vois. Je veux dire, juste, ça se passe mal, tu vois. Alors, je vais essayer de toquer quand même à la porte, dire, tu vas bien de l'autre côté. Du coup, tu les entends, toi, t'entends. Oh. Ça va. Sûrement autre prisonnier, pas cette. Monsieur le trooper. Tu me prends juste. Un point de stress supplémentaire, ça va, mais rien de bien méchant par rapport à l'action.
Non, non, pas de blessure. Non, tu te prends un coup de jus. T'as pris 400 volts, rien de bien méchant. Il est cramé, tu sais, il a les cheveux en pétard. Non, par contre, t'as vraiment, tu sais, genre, t'as... Bah, t'as tes cheveux, ça a pris un coup, tu vois. Genre, t'es. Waouh, ça réveille. Ouais. Ah, si, bon. Si t'étais fatigué, tu l'es plus. Hein. J'avais oublié que j'étais vraiment pas le meilleur en informatique. Donc, je vais me replanter devant l'entrée de la cellule. Et à la base, je vais faire ce que je sais faire. Ouais. Je dégainer mon sabre laser et ouvrir la porte en deux. C'était une option. Le scénar qui tourne mal. Utiliser la force pour créer une illusion de mes potes dans la cellule qui juste parlent entre eux et jouent au sabac. Ça peut être compliqué à mettre en place ça. Tu as un pouvoir pour ça ? J'ai un pouvoir pour ça. Ok. Oui, il a un pouvoir pour ça. J'ai un pouvoir J'aime pour ça. J'aime bien les pouvoirs pour ça. Eh bien, je t'en prie pour le coup. Donc c'est Slate of Mind, hein, c'est ça ? Non, c'est un qui n'est pas dans la fiche parce qu'il faut le créer pour pouvoir l'ajouter dessus. Ah oui, y a pas de souci, y a pas de souci. C'est le pouvoir de force dont je t'avais parlé. Ah oui, le nouveau, effectivement. Bah je t'en prie, tu peux me faire un jet pour le coup, pour essayer de tenter. Alors, la difficulté sera de 3, toujours, hein, bien évidemment, par rapport à la situation. Tu t'es quand même pris un dégât de stress supplémentaire, mais tu peux lancer, effectivement, ce jet. Pour le coup. Non, si tu peux... ouais. Non, je l'ai dit, si tu peux préciser, mais en fait, non. Tu fais 2 succès. 2 succès qui suffisent. Donc, du coup, bah, en fait, en train de te concentrer, et bah, pour la caméra, ils sont en train de jouer. Sauf qu'ils sont en train de se déplacer, c'est con. Ok, parfait. Enfin, plus ou moins. Ouais, mais... Okay. Du coup, genre, c'est une porte qui est fermée, fermée. Ouais, d'accord. C'est une porte fermée, hermétique... Bon, on fait quoi ? On attire les gardes extérieurs ? Mais nous, on voit les illusions, ça se passe comment de notre côté ? Y a rien. Bah, non. Nous, y a rien qu'à changer pour nous, en fait. Non. Non, donc, je vais retoquer à la porte. On sait pas, ouais. Je vais retoquer à la porte. Monsieur Trooper, ça va ? Ça va. C'est Sabam. Oui, bah, je reconnais la voix, de toute façon. Oui. Sabam, qu'est-ce que tu fais là ? Monsieur Trooper, n'ayez crainte, si vous êtes tombé à terre, les caméras vont vous repérer. Alors, il veut dire vous sauver. T'inquiète, les caméras, pour le moment, je m'en occupe. Ah, cool. Et du coup, au moment où il dit ça, je sors, j'essaie de pirater la porte. Immédiatement. J'ai de hack, s'il te plaît. Vas-y. Immédiatement. Difficulté 3. J'ai deux, j'ai pas entendu, ça a coupé le micro, moi, tu l'as dit. J'ai deux. J'ai de hack, s'il te plaît, donc... C'est où, hack? J'ai coercition, mais ça doit pas être ça. Informatique. Je la trouve pas, c'est où, informatique? Ah, c'est là. Je mets combien en... 2, en difficulté 3. Donc c'est améliorer la difficulté. C'est... Améliorer la difficulté. On a informatique dans le... Allez, j'aille. Regarde, bibou, bibou. Allez. 2 succès et un avantage. Du coup, Sabam, tu es en train de te concentrer. Jinklas, en espace d'un instant, tu commences à sortir ton matériel. Mais vraiment, ton bordel. Matériel, non, ton bordel. Hein, c'est vraiment ton bordel. Juste sur plein de pinces, de machin, de trucs. Et tu commences à bidouiller le panneau de commande. Plus que le bidouiller, en fait, c'est limite si t'arraches pas les fils et tu es en train de les connecter, machin. Ah ben moi, je le hijack, hein, de toute façon. Hein. Il est en train de charger. C'est comme les voitures, là, c'est... Exactement. Vous savez que Jinklas ne fait pas dans la dentelle quand tu le fais... Jamais. Le piratage, c'est il prend les fils et il est mort et machin, et il se prend des petits coups de jus. Et c'est vrai que c'est assez marrant à voir comme situation. Parce que... T'as les poils qui s'érissent. C'est ça, ça marche pas, ça. Et puis du coup, tu commences à le mettre, la porte s'ouvre, et tu vois Sabam qui est concentré. Habillé en impérial, pour le coup. Moi, je fais... Vous êtes maintenant... On se casse ? on chope un chasseur 6 ou 2 en passant et on s'en va ? Alors, faut qu'on se tire. Ouais, faut qu'on désactive le rayon tracteur et qu'on se casse. Ouais, il faut aussi qu'on récupère la clé. Il y a une clé ici. La clé de quoi ? Nos armes également. La clé des champs ? Il y a une des clés de la tombe, l'arme. Il y en a une aussi. Mais elle est où ? Tu sais où elle est ? Non, mais... On peut la trouver. Et pour... sinon, pour les autres caméras, on fait comment ? Parce que ça doit pas être la seule caméra du vaisseau, hein ? Oui. Nous, ça, pas pouvoir nous déplacer comme ça à l'intérieur. Bah oui. En plus, moi, je suis un putain de rat, donc ils vont me repérer. Alors, de deux choses l'une. Soit vous restez dans la cellule le temps que j'aille vous chercher des uniformes, soit vous y allez en force. Ah bah maintenant que j'ai braqué le... bouton, c'est mort. Non. Ça va être bonne idée. Toi, ça, allez nous chercher uniformes. On est d'accord.
On est relativement repéré, repérable. Bon, bah, ce qu'on pourrait se faire, c'est se faire passer pour des prisonniers escortés et ça va me se déguiser en Stormtrooper. Ah. C'est vrai que vous êtes beaucoup d'aliens. Bah ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut pas qu'on tombe sur des gens qui nous ont déjà escortés avant. Des trucs comme ça. Ah, il y a des milliers de... Il doit y avoir des milliers de Stormtroopers là-dedans. Oui, mais bon... Sabam, si toi ça demande... Si eux ça demandaient à toi pourquoi toi ça t'occupait de nous, toi ça dire que c'est pour le général du BSI, le capitaine du BSI. Mais ça, non, non, parce que si jamais l'info elle lui arrive, on est mort. Ça risque de pas trop poser de questions si nous ça nous dirigeait vers son bureau. Et pourquoi on va aller à son bureau? Il nous sait pas aller vers son bureau, mais... C'est un lieutenant. D'ailleurs, ouais, t'as dit que j'avais repéré que c'était un lieutenant, peut-être. Ouais, tout à fait. Okay, bah, il s'est pas présenté, il en avait rien à foutre. Ouais, non, mais... Ouais, c'est que c'est pour le lieutenant, si jamais on te pose la question. Mais du coup, il faut qu'on trouve un uniforme de Stormtrooper pour toi. Il faudrait des Stormtroopers pas trop loin. Je peux vous ramener des uniformes. Non, pour toi. Et pour toi, le Stormtrooper, parce que... Ouais. Que ce soit Rai ou moi, un Stormtrooper, de... ça passe pas, quoi. Oui, donc ça bon pas point. Pouvoir porter d'uniforme Trooper. Tu sais, moi j'imagine un Rai juste avec le plastron, tu sais, et puis le cache-couille, là, tu sais. c'est tout, il y a que ça qu'il peut mettre. Le reste, ça passe pas. Et soyons clairs, la caméra, moi, je tiendrai pas une fois qu'on sortira d'ici. Donc, soit l'un de vous est capable de mettre une image qui tourne en boucle, soit on assume qu'ils vont voir qu'on n'est plus là. Laisse-moi essayer de hijacker la caméra. Ça marche. Tu peux maintenir le truc? Ouais. Il va falloir que tu ailles que tu aies accès du coup au panneau de commande donc qui est devant la porte hein, pour le coup pour essayer de faire quelque chose. Je t'autorise à faire un jet encore une fois d'informatique difficulté 3 pour essayer de créer un loop sur la caméra. Exactement. Si tu foires, ne foire pas. Non mais c'est pas grave de toute façon. On va s'en sortir. Regarde. Oui, c'est Star Wars. Regarde, moi j'ai pas peur, trop fort. Deux succès, par contre t'as une menace. Alors du coup tu commences effectivement à faire... Mais la menace c'est nous. C'est pas faux. Tu commences à pianoter ton truc, etc. Ah ouais, effectivement, tu as lancé le loop. Le truc c'est que tu sais qu'il y a quand même une brèche dans la sécurité, il suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à cette caméra en particulier et ça peut foirer. Voilà, c'est vraiment, ça tient un poil de cul, littéralement. Un de tes poils. Nous ça va être rapide. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, le vaisseau immense, il doit à peu près avoir 1,5 million de caméras. Donc, ça va. Statistiquement, on est bon. La caméra est en loop. Vous êtes maintenant dans le couloir. Je sais, il y a Sabam qui peut... Ouais. Tu peux relâcher, du coup, avec la force. Vraiment, ça te draine, hein, d'un coup, c'est... Oh, putain. T'es beaucoup. En fait, vous êtes dans ce couloir. Vous commencez à découvrir le nombre de cellules... qui sont présentes. Il y en a 8 pour le coup. Mais quoi ? Il y a 8 cellules. Dans le couloir. On regarde dedans. On peut regarder dedans sans qu'ils regardent, sans qu'ils nous voient vu que... Bien sûr, tout à fait. C'est pas... On peut... Bah, vas-y, j'ai envie de faire ça. Au hasard pour le coup ? Non, tous. Tous ? Alors, ça une prend par une, temps, dis-moi tout ce qu'il y a. Alors, s'il y a des gens partout, on va ouvrir toutes les cellules, foutre la merde. Je suis pas sûr qu'on ait le temps, capitaine. Bah, si il prend le temps, moi j'essaie d'améliorer ma loupe en fait. Bon, ça va, mais essaie de trouver un truc de Stormtrooper. Oui, oui, en attendant. Éventuellement, il y en a juste derrière cette porte là. Il y a juste encore les Stormtroopers dedans. Oui. Sérieux, bah allez, j'arrive, on va s'en occuper. Ils sont où? Ils sont devant la porte. Ah. Bah, on s'en occupe, hein. On les neutralise. Et tu prends leur uniforme et on se casse. Soit ça, soit je vais en rechercher un, mais ils vont de toute façon nous emmerder à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui vont ressortir. Donc autant s'en occuper maintenant. On les balance dans le vide ordure. Ou dans une des cellules. Quoi ? On met les dans le vide ordure. Ah, on va les mettre dans notre cellule. Ouais. Du coup, let's go, on va s'occuper d'eux. T'as pas problème, moi je prends l'autre. Eh ben, messieurs, ça va être un jet de bagarre pour les deux Stormtroopers, les attraper et les emmener. Mais attends, ils viennent d'où ces Stormtroopers? J'ai pas saisi. Ils étaient devant la porte en fait. Devant la porte, c'est juste les gardes devant la porte des prisons. Pour le coup, de la porte des prisons. Ah, devant la porte du couloir. Ah, oui, bah. Je demande à Rai qui me lance et puis. je me mets reste en position tatou. Parce que c'est bon. J'ai besoin de toi pour que tu ouvres toutes les cellules une fois qu'on sera déguisé. Mais il suffit d'appuyer sur le bouton pour les cellules. On est à l'extérieur.
Bah je pense, non, enfin je sais pas, je dis oui, ça, tout mais... à fait. Je sais pas, non, ça va me l'a pas fait, donc... Ça c'est la comme pire sécurité ever. Je suis pas sûr. Non. Il y a même pas besoin d'un putain de badge. Non, il y a des... Non, en fait, les cellules, pour ouvrir les cellules, il faut effectivement le cylindre code. Par contre, les portes, bah, là d'où vous êtes, vous pouvez les ouvrir, c'est normal. Ah. Bien sûr. Bon bah du coup, au moment de partir, j'ouvrirai toutes les cellules. Non, mais que... tu t'as pas écouté ce que j'ai dit. Vous pouvez pas ouvrir les cellules, il faut un cylindre code... pour ça que Sabam a dû hacker la porte qui vous appartenait. Par contre, les portes de sécurité qui permettent de sortir de ce bloc, il n'y a pas besoin d'avoir de cylindre. Ah oui, donc il faut aussi, si on veut ouvrir les prisonniers, il faut que je hacke. Il faut hacker les cellules si tu veux ouvrir aux prisonniers. D'accord, ok. Pour créer une diversion potentielle. Alors, la question, vu que là, on est dans le couloir où il y a toutes les cellules, est-ce qu'il n'y a pas un panneau de commande qui pourrait surcharger pour essayer de tout ouvrir d'un même, en même temps ? Ça se tente, effectivement. Faire cellule par cellule. Tout à fait, c'est possible. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça peut lancer un ping d'alerte, parce qu'une surcharge d'énergie quelque part, c'est un risque. Ça, c'est Jean Class qui le dira, en tant que mécanicien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque. Mais pour toi, voilà. Par contre, Jean Class est totalement confiant, donc oui, ça passerait pour toi. Hein. Ah oui, mais Jean Class, il sait tout faire, ça serait trop fort. Tu veux essayer ? De toute façon, Moi, honnêtement, Jean Class, il pense que c'est pas la bonne idée de libérer tout le monde, là. Juste, ça va rattrouper tout plein de Stormtroopers dont on n'a pas besoin. Déjà que sans ça, ça va être chaud d'aller au vaisseau, d'enlever les retracteurs, de piquer la clé avant, pardon... Et de se barrer, ça va déjà être chaud. Si en plus on fout, enfin, ça peut faire une diversion, mais il faut pas qu'on soit là, quoi. Alors en vrai, si vous voulez faire ça, moi ce que je vous propose, on laisse un petit logiciel dans le système pour qu'on puisse ouvrir les cellules à distance quand on sera pas là. Alors si c'est possible, oui, totalement. Ah, c'est possible, mais c'est chaud. Si c'est possible, ça prendrait du temps surtout. Ouais. Pour l'instant, ça va, il n'y a personne qui est passé. Mais vous savez pas pendant combien de temps vous êtes en sécurité ici avant qu'il y ait du passage. Vous savez pas vouloir que nous ça ouvrir tout ? Non, ça va juste lancer l'alerte. Et ouais, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Après nous aussi. Alors moi, je pense ça peut être une bonne idée de faire une diversion, ça c'est sûr, mais là ça va rattraper trop de monde. De base. Ah, par contre, c'est effectivement une excellente idée de regarder qui il y a dans ces prisons parce que ça pourrait être intéressant. Je vous autoriserai deux cellules pour le coup. Parce que faire les 8, c'est pas forcément pertinent, enfin les 7. Riff, voilà ce qu'on va faire. La 3 et la 9, et la 8. Moi je vais sortir, normal. Toi tu vas profiter du fait que la porte est ouverte pour choper le premier. Quand le deuxième va se retourner, je m'en occupe. Ok. Allez. Dans la première cellule, Jia, tu commences à voir qu'il y a 3 droïdes à l'intérieur. 3 droïdes que tu reconnais pas du tout, tu vois les modèles, t'es en mode qu'est-ce que c'est que ce délire. Ce qui est très drôle pour le coup, c'est qu'ils ont tous des accoutrements de pirates. Genre tu en vois un avec un tricorne pour le coup, que je vais afficher. Alors, what the fuck. Attends, je vous vois le miro parce que... Oh, oui, je vous en prie, vous pouvez... Le miro c'est pratique, ça c'était... Vous avez donc celui-ci. Avec ce miro petit tricorne. The fuck. Vous avez... Il est où ? Celui-ci, donc, qui est habillé avec un poncho et un long chapeau de cow-boy. Et vous en avez un autre, qui est un petit droïde, assez simple, de réparation, comme les deux que vous aviez revus. Vous savez, les droïdes, on appuie sur leurs yeux, et puis ils sortent, en fait, pour le coup. Pardon, c'est pas celui-là. Là. Excusez-moi, c'est... Parce que j'en ai beaucoup, je suis désolé, j'ai beaucoup de PNJ. Voici, c'est celui-ci. Voilà, à quoi ressemblent ces droïdes. Et vous voyez qu'ils sont en train de discuter, clairement. Les noms des droïdes, il faut le dire, sont extraordinaires. Oui, alors ça a été une longue recherche. il faut le dire, c'est parfait. Franchement... Ça, c'est dans la première cellule. Dans la deuxième... Eh ben, il y a juste une personne. Un espèce d'humanoïde un peu vert pour le coup, avec des gros tatouages partout. Et qui est en armure. C'est ce qu'on appelle un miralien. Petit. Ça m'aide pas du tout.
Et vous voyez qu'il est, il est clairement énervé, il est en train de taper dans les murs et vous entendez gueuler à l'intérieur. Lâchez-moi, bande d'enfoirés, je vous défoncerai tous. Tandis que les droïdes sont très calmes, pour le coup. Clairement, on s'en va ? En train de préparer un coup. On aura peut-être pas besoin de le rouvrir. Oh bah c'est très bien. Du coup, on s'en va ? On s'occupe des gardes. Pendant qu'il s'occupe des gardes, ouais. J'ai une classe. Oui. Toi, ça fragilise la porte 8. Juste fragilisée. Porte 8, c'est celle avec les droïdes ? Non, celle avec le mec qui tabasse partout. Ouais. Pour qu'elle s'ouvre. Donc, comment ça fragiliser Bah, juste un léger peu. Ah non, moi, je peux, sinon, je pourrais rien faire à la porte. Essayer de la fragiliser un petit peu. Je veux bien essayer, mais je. Le joueur, il voit pas du tout comment faire parce que j'ai une classe, il est. Enfin, lui, il va pirater la cellule, quoi. Il va pouvoir l'ouvrir ou quoi, mais il va pas pouvoir fragiliser la porte en elle-même. Est-ce que moi, je pourrais physiquement essayer de fragiliser la porte? Oui, en vrai, oui. C'est juste que. Essayer de forcer sur un piston, un truc comme ça. Ouais, en vrai, tu sais, tirer sur des câbles, ça fonctionnera. Hein. C'est juste qu'il y a un moyen, y a juste une chance de déclencher l'alerte, quoi. Non, bah alors non. On va pas tout foirer. Dommage pour lui. Ok, bah. On continue sur le plan initial. Ok, vous allez donc ouvrir la porte et attraper les deux Stormtroopers pour les emmener dans vos cellules, les dépouiller et récupérer leurs uniformes ainsi que les menottes pour faire des prisonniers. Non, on récupère qu'un seul. Non, il y en a deux. Oui, non, mais on récupère qu'un seul uniforme. Oui, bien sûr, un seul uniforme. Non, mais ce que je veux dire, c'est vous avez, de manière générale. Je vais demander aux deux personnes qui vont faire cette attaque de me faire un petit jet de corps à corps afin de neutraliser ces chers Stormtroopers. Pugila, effectivement. Vous avez une difficulté qui est de 1, étant donné que vous allez les surprendre, qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur tombe dessus, et que vous êtes discret, de manière générale. Attention un peu. Ouais, du coup, il y a Sabam qui passe, moi je suis derrière, hop là. Ouais, et une fois que je le pousse, moi je le pousse avec mon gant électrique. J'ai oh là, tu suis là. Un seul gant électrique. Ok, ça va, ça va. Juste, j'essaie de choper. Bon, tu l'attrapes et t'entends. Hein, qu'est-ce qui. Et clairement, il a pas le temps de l'ouvrir, que tu l'as déjà mis au sol, quoi. Le gant électrique m'a dit que je pouvais utiliser discrétion pour ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Valide. Il dit ça, le gant électrique il te dit autre chose. Ouais, c'est ça, il te parle, le gant électrique. Tu peux être discret. Ah bon. Que dois-je faire, le gant électrique? Tu l'es tout. C'est vraiment du matériel de qualité, hein. Il t'a donné les salut auto aussi. Ouais, pas toi. Tu connais pas les plans du vaisseau? Ça nous arrangerait. 5 succès, 5 avantages. Qu'est-ce que je te dise? Décris-moi ta scène. On un t'entend pas. Un petit peu involontairement. Ouais. Ça y est, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je vais peut-être un petit peu involontairement me venger du coup de jus. Parce que ça va faire. Ah, mais qu'est-ce que. Tu sais, t'as le stand. Ouais, Ramazan. Il est au sol, tu sais, en train de faire des convulsions. Alors, il est stun, hein, bien évidemment. Tu les tues pas. C'est juste tu leur fais assez de dégâts pour les neutraliser. Ce sont le but, c'est vraiment les assommer, deux humains, pour le coup, qui font une taille un peu standard, on va dire 1m70, entre 1m70 et 1m80. Et du coup, bah, vous commencez à traîner les armures. On va les ramener dans la cellule dans laquelle nous on était enfermés. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Vous récupérez donc, pour information, deux ceintures, vous savez, les ceintures tech de Stormtrooper, où vous avez du matériel assez simple, hein, des filins, vous avez deux paires de menottes, deux blasters, et les armures. Oh, les deux blasters. Un dans chaque main. Et quoi? Bah oui. Mais d'ailleurs, est-ce que genre quand mes bras robotiques, vous me les enlever aussi? Non, non, on t'enlève pas. Non, on enlève pas les bras. Hein. Ah bon, ça va alors. Faut pas déguiser. Le blaster pour le déguisement, chouchou, il m'en faudra un. Hein. Mais je pourrais te le laisser si on rentre en combat. Parce que oui, c'est toi, ça va. On va le cacher. Mais je vais le cacher dans ma fourrure, regarde, et puis hop.
Je fais un nœud avec deux poils et puis hop. On est quand même sur des fusils blaster E11, donc un blaster E11 c'est quand même assez grand même si c'est compact. Ouais, c'est un fusil pas blaster. Pas caché dans tes poils, ouais, c'est un fusil. Alors, fusil blaster en vrai, il fait cette taille là. Hein. Si ça rentre en vrai. Mais c'est ta taille. Ouais, toi c'est ta taille, ouais. Bon, bah, tant pis. Non, je non, derrière mon dos. Rai, il peut le cacher sur lui de toute façon. Alors, je sais pas si je peux le cacher sur moi, vraiment. Non. T'as plus de chances de. C'est mon blaster à moi. Alors, c'est un fusil, ça se plante. Ils m'ont laissé, moi, laissé ma petite cape. Ma petite cape. Ton pancho, ils te l'ont laissé, bien sûr. Bah ouais, bon, moi, je le cache, moi, alors. Ok. Bah, je le cache en dessous. Ok. Alors, tu peux le mettre, du coup. Bon, bah, j'ai pas de blaster, du coup. Je te le donne en cas de combat, t'inquiète. Est-ce qu'il y a moyen de trafiquer une grenade avec le matos qu'ils ont dans leur ceinture? Ils ont pas de grenade. Non, mais est-ce qu'il y a moyen d'en fabriquer une? Là, non. Il va falloir trouver d'autres matériaux. D'une classe. Nul, j'ai le fusil blaster dans le dos, tu restes derrière moi, si jamais ça pète, tu peux le récupérer directement. D'accord. Alors, par contre, est-ce que quelqu'un veut un uniforme de technicien? Pourquoi faire? Bah, pour faire comme moi, se déguiser. Moi, je suis un alien, ils vont envoyer chier, non? Bah, le problème, c'est qu'il est pas, surtout pas à ta taille, mais sinon, ça aurait été une très bonne idée que tu puisses en avoir un, toi. Parce que s'il te pose des questions, tu savais de quoi parler. Ouais, par contre, faudrait un peu ajuster parce que. Oui, parce que ça va être compliqué. Non, mais je joue le rôle du prisonnier, t'inquiète. Oh oui, pour l'instant, on va parler mieux. Ça. Vous avez deux paires de menottes. Ouais, on prend avec le capitaine et Jinklas, on va pas se mentir, il a pas vraiment besoin de menottes, quoi, je pense. De toute façon, j'ai des bras robots. Alors. T'as des menottes pour les bras robots aussi. Sabam, tu te changes, du coup, tu mets l'uniforme. Tu te rends compte que bah, les uniformes sont pas forcément les meilleurs, hein, puis tu vois rien dans ce casque. Hein. Bah enfin, ça tombe bien, j'ai pas besoin de voir. Ouais, mais quand même, tu te rends compte que tu comprends pourquoi ils visent pas forcément très bien dans les films. Bravo, on trouve des excuses. Alors et factuellement, ceux qui ont joué à Jedi Academy savent pourquoi, parce qu'ils ont un mode de tir automatique qui est absolument désastreux en termes de visée. Ça sort les refs, attention. J'avoue, joli. Non, du coup, effectivement, bah, c'est juste que c'est pas ajusté, donc le casque, il... voilà. Par contre, t'as les communications en interne, c'est-à-dire que tu as dans le casque les communications. Ça, c'est bien, et j'ai un cylindre pour pouvoir ouvrir les portes. Tout à fait. Vous commencez à vous changer. Pendant que je me change, je me laisse un petit peu être réceptif à la force pour voir au niveau des prisonniers, si la force m'envoie vers un prisonnier ou l'autre. Tu parles des prisonniers qui sont à l'intérieur, là? Ouais. Non, la force te dit rien du tout. Ok. Sabam, toi, ça, avoir toujours la clé sur toi? Ouais. Toi, ça, nous avoir dit qu'elle guidait vers les autres clés? Ah, cette clé-là. Oui. Elle, une fois qu'on aura trouvé l'autre, elle... me permettra de l'identifier. Alors, hors RP, je crois qu'elle commençait à vibrer quand on approchait du vaisseau, donc elle doit être en train de vibrer. Tout à fait. Donc là, elle peut déjà nous guider, du coup. Elle vibre effectivement. Ah, et vous genre un peu comme un bâton de sourcier, c'est ça? Oui. Pour le rêve obscur de ce truc. Elle est là. C'est un peu comme ça que je le voyais quand tu l'as dit, quoi. Non, mais oui, en vrai, oui. Je peux pas te dire mieux, juste que ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est comme ça. C'est con. Au moment où vous commencez à vous changer, etc., vous vous préparez à sortir de l'endroit. Du coup, on se met les menottes, mais genre, on les ferme pas. Genre, comme ça, on peut faire... Oui. Attention, il s'est détaché. Et on tire en tous les sens. Moi, j'ai pas de menottes, du coup. Ah non, du coup, non, mais on considère... Genre, je pense que... Non, mais je fais le tech. T'as après, des poils. Tu peux mettre tes mains, tu fais semblant, genre... Tu fais semblant. J'ai toujours trois bras robots qui se promènent autour. Et on te met des menottes avec le filin. Tu sais, on met le filin un peu autour de toi, comme si t'avais... Tu te mets les menottes avec ton bras mécanique. Genre comme si on l'avait soudé autour de tes mains. On te l'avait loqué, ouais, c'est une bonne idée, tiens. Je sais pas comment faire ça, d'accord. Ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire plein de choses. C'est un bras à la Octopus. Et au pire, on considère que... Je sais. Pourquoi tu crois que j'en ai trois? Au pire, ils vont pas te mettre ça dans des modes. Parce qu'en termes de taille, tu représentes moins une menace que...
Bah ouais, il faut trouver des menottes à sa alors taille, ça, on va pas se mentir. Faut être très déçu. Alors oui, ça c'est parce qu'ils sont cons, t'inquiète pas. Ils vont être très très déçus. Non, on sait que t'es le pire de tous, mais eux non. Attends, comment ça, on est cons parce qu'on lui met pas de menottes? J'ai pas compris. Donc vous êtes en bon, train... Bon, on y va. On est what the fuck. Vous êtes voilà en train de sortir de la pièce, vous avez laissé les deux Stormtroopers à l'intérieur de votre cellule. Vous sortez à peine et vous commencez à progresser quand, Rai, tu vois au loin une personne que tu arriverais à reconnaître, un uniforme que tu arriverais à reconnaître parmi des milliers. Un uniforme que tu n'as pas vu depuis maintenant 15 ans. Une personne qui était très chère à tes yeux il y a longtemps. Et c'est surtout que tu reconnais ses insignes, la forme de son casque.